Je vais demander donc à Christiane Bonsard de rejoindre. Bonsoir, écoutez, on est ravis de votre présence dans ce style et tendance 2013-2013. Et on vous accueille pour une peinture donc, qui se place directement dans l'international, donc pas de problème. On est dans le paysagisme abstrait et donc vous êtes de la région de Toulon et vous peignez donc des paysages portuaires, voilà. Donc de cette belle ville de Toulon avec un port qui est très connu dans le monde entier, la rade de Toulon. Donc vous réalisez donc cette peinture comme je le disais qui se cale dans le plan international. Et ici, nous avons donc cette représentation d'une peinture portuaire, un paysagisme abstrait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à cette forme de travail? Oui, bonsoir. Mais écoutez, je n'ai pas du tout commencé comme ça. J'ai commencé d'abord par de l'impressionnisme. Mais avec des fonds toujours un petit peu abstraits, parce que l'abstraction a toujours été en moi. Et petit à petit, de très coloriste, j'ai dépouillé, et je suis arrivée à cette palette, donc qui n'a plus rien à voir avec mes palettes du départ. Et je le ressens, c'est un ressenti, la mer pour moi c'est ça. Ce qui concerne la mer et le paysage portuaire, pas mal de collages, d'inclusion. Dans le système du monochrome, on peut dire, le fait de travailler sur les monochromes, alors ça vous est venu comment cette idée de travailler finalement sur deux tons, un ton, un camailleux, un dégradé, sur une couleur unique? C'est un ressenti pour moi, je le ressentais comme ça. Précédemment, vous avez travaillé le thème du voyage. Comment ça s'était passé J'ai commencé par peindre le ressenti des pays que j'avais visités, des régions, et je faisais des reportages photos. Je peignais ce que j'avais ressenti. On disait que c'était de l'impressionnisme abstrait. Et petit à petit, l'abstraction a pris le pas sur les personnages. Mais pour moi, c'est quand même pas encore une abstraction totale. Je pense qu'il y a une lecture à plusieurs niveaux. Voir, observer, y revenir, chaque jour voir des choses différentes. Vous êtes, on peut dire, orienté vers le portuaire, vers le littoral, vers le maritime. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est votre environnement de voir la mer Après avoir beaucoup voyagé et peint partout, un jour je me suis dit, mais pourquoi je ne peins pas ce que j'ai autour de moi? Parce que c'est beau, voilà. Mais dans mon parcours, quand même, il faut dire que j'ai un père peintre et qui a peint des marines toute sa vie. Donc, j'avais pas envie de rester dans le classique maritime et j'ai peint les marines d'une autre manière. De toute façon, je me ressentais différemment. Je pense que c'est la continuité du travail de mon père. Voilà, je pense que c'est ça. Avez-vous une technique spéciale pour vous exprimer? Est-ce que vous travaillez au couteau? Vous travaillez au couteau, mais je travaille au couteau, ça m'arrive aussi. Là, il y a beaucoup d'inclusions de journaux. Mes collages sont que du papier journal. Et là, ça inclut aussi, je pense, l'écriture. Je mets beaucoup de lettres, de mots, de morceaux de journaux qui font partie, pour moi, de l'œuvre. Est-ce que vous peignez vos sujets en fonction de vos souvenirs ou tout simplement avec nostalgie? Non, pas de nostalgie, de sentiments, d'impression, de ce qui reste. Hein, ce qui reste quand on va quelque part et qu'on voit de belles choses, et il y a un détail, quelque chose qui reste, et puis d'un coup, on a envie de le mettre sur la toile, et ça ne ressort pas forcément comme chacun peut le voir différemment, hein. Moi je le vois comme ça. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, il n'y a que du blanc, et
des bruns et des bleus. Comment expliquez-vous votre grammaire à vous, abstraite? Oui, elle est arrivée comme ça au fil des années. J'ai tout fait, moi j'ai fait des beaux-arts, des stages avec des grands peintres internationaux. On ne s'en rend pas compte, mais on évolue sans cesse. Quelle est votre relation par rapport à l'image du réel, puisque vous êtes abstraite? Comment vous arrivez à traduire le sujet, de le rendre abstrait, alors que vous voyez réellement les choses? C'est à l'intérieur, oui. Je pense que c'est à l'intérieur. Moi, je vois comme ça. L'abstraction, pour moi, n'a pas été une grosse difficulté. J'arrive à abstraire un paysage sans problème. Quelles sont les qualités personnelles pour faire de la bonne peinture et pour être un bon peintre? Chacun a ses qualités, mais je pense que... Rigueur, le travail, peut-être? Le travail, c'est la première qualité. Il faut beaucoup peindre, beaucoup jeter, et faire, et faire, et refaire. Et puis, finalement, on garde à la fin ce qui nous semble le mieux. Parlez-nous de la rade de Toulon, puisque vous êtes quand même native, on sent cet accent. Tout à fait. Pour moi, c'est un lieu magique, hein, parce que c'est magnifique, c'est toujours ensoleillé, c'est vraiment une rade extraordinaire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Et il y a des paysages, on pourrait faire des centaines et des centaines de tableaux. Je vous remercie, M. Antoli, si vous voulez prendre la parole. Les cas, c'est un entretien, on peut dire pour mieux vous connaître, et en fait, vous peignez avec beaucoup de facilité. C'est, vous avez, disons pour vous, la peinture, c'est un peu un langage. Un besoin de m'exprimer comme ça. Voilà. On peut dire les secrets du talent, probablement. En tous les cas, félicitations, merci beaucoup, ouais, et de votre gentillesse aussi à vous être prêté à des questions parfois difficiles. Merci. Très bien, très bel impressionnisme abstrait. Donc ici vous avez donc Regard, un travail très élaboré avec un degré de visibilité très bien géré pour aller vers l'abstraction tout en gardant une trace de l'image. Et ici vous avez une interprétation, puisqu'on est dans l'abstraction, d'un paysage portuaire avec, bien sûr, comme le disait Christiane Poussard, effectivement, plus on voit ce tableau, et c'est un peu fascinant parce qu'on s'y projette de plus en plus, on entre de plus en plus dans ce monde, dans cet univers, jusqu'à effectivement se sentir très concerné par ce travail. Et en tous les cas, merci encore Christiane Poussard. Bravo. Merci Monsieur Germain de votre présence. Et nous allons marquer l'événement actuel, c'est-à-dire que nous allons procéder à la remise des prix de la manifestation Style et Tendance. Alors bien entendu, il s'agit de prix qui sont en fait des trophées. Ce sont des trophées Style et Tendance. Alors pour tous ceux qui s'intéressent à l'art, ils savent que les trophées Style et Tendance sont des éléments de référence aujourd'hui. Alors qu'en 2013, Style et Tendance dans l'art, donc à Cannes, le président Vert aussi. Alors nous allons appeler les artistes qui viendront tour à tour pour recevoir le trophée, sachant qu'ils ont été les uns après les autres sélectionnés. Alors j'appelle maintenant Madame Christiane Brossard. Christiane Broussard. Voilà.
Voilà, j'ai le plaisir de vous remettre le trophée Aristide, cadre du ministère. Bravo, félicitations. Toutes mes félicitations. Tournez-vous vers le public pour dire quelques mots, Christiane, pour ça. Je vous remercie tout le monde, M. Antonini, bien entendu, et toute son équipe sympathique qui m'accueille toujours avec plaisir. Et j'espère que tout le monde sera satisfait de cette soirée qui est formidable. Je vais vous tenir un peu de cela. Thank you.